Eh bien bonjour à tous, c'est l'heure de Classe Classique, votre rendez-vous hebdomadaire de musique classique, tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur RVL. Eh bien, je crois que ça y est, le sapin est allumé, les chaussons sont sous le sapin, la bûche est au frigo, les escargots sont prêts à être mangés. Et moi, je vous propose évidemment une émission en lien avec ce réveillon que je vous souhaite le plus agréable possible. Nous allons entendre quelques œuvres de circonstances, des concertos de la nuit de Noël, des pastorales, des choses comme ça. Nous allons commencer justement par une pastorale en ré pour orgue et orchestre d'un compositeur du nom de Werner, par le nouvel orchestre de chambre de Berlin que dirige Michael Axleben. Entendre une pastorale en ré pour orgue et orchestre de Werner, et nous retrouvons le même orchestre dans un concerto pastoral là à nouveau
Concerto pastoral en sol majeur de Johann Melchior Molter, un compositeur du XVIIIe siècle également, connu pour ses concertos pour clarinette. Je vous propose de l'entendre dans son intégralité. Voici donc ce concerto pastoral de Molter. Thank you.
Thank you.
C'était un concerto pastoral de Johann Melchior Molter. Voici un de ses quasi-contemporains que vous connaissez probablement forcément de nom. C'est Mozart. Mozart avec sa fameuse promenade en traîneau, interprétée tout de suite par The Academy of St. Martin in the Fields que dirige Neville Marriner. Nous venons d'entendre la promenade en traîneau de Mozart et nous poursuivons avec un concerto grosso per il Santissimo Natale, donc concerto grosso pour la nuit, le très Saint Noël, si on le traduit directement mot à mot. C'est un concerto donc pour la nuit de Noël de Francesco Manfredini, compositeur qui est l'exact contemporain de Bach et de Handel. Il est né en 1684, c'est-à-dire un an avant Bach et Handel. Il est mort en 1762, soit 3 ans après Handel et une douzaine d'années après Bach. Voici donc l'intégralité de ce concerto grosso per il Santissimo Natale de Francesco Manfredini.
Nous venons d'entendre le concerto grosso pour la nuit de Noël de Manfredini et nous poursuivons avec une composition d'un de ses contemporains, Pietro Locatelli, compositeur italien né en 1695, mort en 1764, donc c'est vraiment son contemporain. Un concerto grosso opus 1 numéro 8 en sol mineur, concerto pastoral, donc les concertos pastoraux étant prévus pour la nuit de Noël.
Thank you.
C'était sur RVL, un concerto grosso de Locatelli, l'opus 1 numéro 8 en sol mineur, concerto pour la nuit de Noël, et nous allons faire un bond dans le temps pour nous retrouver au 20e siècle avec un morceau que vous connaissez tous sans forcément savoir qu'il est de la plume de Leroy Anderson, compositeur américain dont j'aime bien vous diffuser des morceaux de temps en temps. C'est un morceau qui s'appelle Sleigh Ride, c'est-à-dire promenade en traîneau, exactement comme l'œuvre de Mozart que je vous ai diffusé tout à l'heure. L'orchestre que nous allons entendre est dirigé par Richard Heyman. Thank you.
C'était le fameux Sleigh Ride de Leroy Anderson, compositeur américain du XXe siècle. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous propose de nous quitter sur le concerto pour la nuit de Noël de Arcangelo Corelli, que je vous propose d'entendre dans son intégralité, dans la version que nous en propose Nicolas McGegan à la tête du Philharmonia Baroque Orchestra. Et c'est sur ces très belles notes de Corelli que je vais vous souhaiter le plus beau réveillon possible, avec tout plein de cadeaux, tout plein de bonheur et tout plein d'amour. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le réveillon du Nouvel An, pour une nouvelle édition de Classe Classique sur 103.1. À très bientôt, à dimanche en tout cas. Thank you.